Bon, avouons-le d'entrée de jeu, on vous a généralement présenté l'histoire des femmes comme le fait d'héroïnes qui se sont battues vaillamment pour la conquête des droits au cours du 20e siècle, luttant de manière héroïque contre la résistance machiste des hommes. En fonctionnant ainsi, on se condamne bien sûr à ne pas comprendre la réalité plus profonde, parce que héroïne, héros, lutte entre le bien et le mal, toutes ces représentations-là ne tiennent pas compte des nuances, des rapports de force dans la société et en fait de la réalité telle qu'elle s'inscrivait, notamment pour les hommes et les femmes, au début du 20e siècle. La réalité, c'est que cette image-là de femmes qui apparaissent soudainement dans le marché du travail, notamment à l'occasion des guerres mondiales, dans les usines, dans les bureaux, en agriculture, doit être nuancée et placée dans une perspective, historique. La perspective historique nous rappelle une chose essentielle, c'est que les femmes dans l'histoire ne furent pas que des victimes silencieuses jusqu'à ce qu'enfin émerge, la lumière féministe. Il s'agit d'une place qui était confondue avec la famille. On mentionne souvent que les femmes n'avaient pas droit de vote, droit civique, c'est totalement vrai, qu'elles accédaient au statut de mineure lorsqu'elles se mariaient, n'avaient pas le droit de signer des contrats, ce qui est tout à fait juste, parce que, en fait, c'était entendu comme la femme fondue dans la famille. La famille avait bel et bien un chef, entendu comme le père, représentant de la famille à l'extérieur. Mais la femme avait authentiquement une place, en particulier dans le milieu rural. Puisque l'essentiel de la population vivait dans le monde rural, au Québec comme ailleurs, la famille était en fait un lieu beaucoup plus important qu'on le considère en général, parce qu'elle était à la fois le lieu, bien sûr, social, de reproduction, etc., le lieu affectif, mais elle était aussi synonyme du travail. La ferme, c'est aussi un milieu économique, c'est une entreprise. Une entreprise qui achète des services, qui vend des produits et qui donc confondait milieu social et milieu du travail, qui mêlait économie et affectivité, qui mêlait en somme ce qu'on va appeler désormais la sphère privée, la famille, avec la sphère publique, c'est-à-dire son rapport au monde, à l'État, à l'économie, au capitalisme, bref, au reste de la planète. Cet équilibre-là, il est effectivement rompu avec la révolution industrielle. Et c'est là que le déséquilibre commence et s'inscrit véritablement. Le féminisme n'apparaît pas n'importe quand dans l'histoire. Il apparaît à un moment où tout à coup, l'ancien modèle féminin est désarticulé, mis en péril par l'émergence du travail salarié en usine. C'est ce phénomène historique qui provoque, qui suscite le mécontentement des femmes et qui mène aux grandes revendications qui vont dominer le 20e siècle. Mais ce n'est pas le résultat de 2000 ans d'oppression. C'est parce qu'il y a une nouvelle donne économique qui rompt l'équilibre ou l'équivalence entre femmes, famille et travail. Une rupture entre l'ancienne famille, le foyer, qui était auparavant également un lieu économique, avec désormais le travail qui est à l'extérieur, qui se situe à l'extérieur de la famille, à l'extérieur du foyer, et qui se déroule dans un bureau ou une usine. Cette rupture-là, elle va avoir de profondes répercussions sur la perception du rôle de la femme dans la société, au Québec comme ailleurs. On va désormais assister à l'émergence d'un discours à propos de la sphère privée. La sphère privée, c'est le lieu où les valeurs, l'éducation, notamment des enfants, les soins apportés aux personnes doivent pouvoir avoir lieu, essentiellement dans la famille. Et d'autre part, la sphère publique, réputée monde de l'économie, de la politique, de la finance, du droit, et qui est réputée un lieu dominé par les hommes. Cette vision du monde fait que les femmes se retrouvent étriquées à la fois avec des responsabilités dans la sphère privée et de plus en plus amenées, à cause de la révolution industrielle, à travailler, à vivre, à évoluer dans la sphère publique où leur rôle, leur contribution est nullement reconnue, où elles vivent toutes sortes de disqualifications et de discriminations. On présente la femme d'abord et avant tout comme l'ange du foyer, celle qui doit avoir l'épanouissement de ses enfants et de son époux. Et d'autre part, celles qui travaillent à l'extérieur, qu'on présente souvent comme dévoyées, on appelle d'ailleurs femmes publiques, ce qui est synonyme de prostituées en passant, cette tension-là va finir par éclater au grand jour. Et elle va donner naissance à ce qu'on appelle encore aujourd'hui un premier féminisme,
Ce premier féministe dominé au Québec par des femmes comme Thérèse Casgrain, Idola Saint-Jean ou Marie-Gérin Lajoie, et qui vise d'abord et avant tout à ce que la contribution des femmes soit mieux reconnue et que leur rôle, notamment dans la sphère privée, soit davantage tenu en compte. Pour le comprendre, il faut aller voir des textes des premières féministes, là. Marie-Gérin Lajoie, voyons un peu dans la lettre ce qu'elle réclame en 1902. Les femmes sont plus au fait qu'on le croit des enjeux de la politique. Elles savent, par exemple, qu'il est actuellement question de rendre plus salubre l'eau que nous buvons et qu'on parle de réglementer les cabarets et la vente de la boisson alcoolique. Des règlements sur l'éclairage des rues, la sécurité de l'éducation de leurs enfants sont aussi débattus et les femmes s'y intéressent. Sur ces questions et bien d'autres, les femmes de la province sont en mesure de formuler des opinions éclairées et de choisir adéquatement les hommes qui auront charge de les appliquer. Ça va, mais il y a beaucoup de choses étonnantes là-dedans. Je passe vite sur le fait que les femmes ne sont reléguées à choisir les hommes, en tout cas, mais c'est parce qu'on est dans une perspective où ce n'est même pas le droit de vote qui est réclamé ici. Vous êtes surtout surpris par la nature des revendications, mais la salubrité de l'eau, l'éclairage des rues, les boissons alcooliques, la sécurité et l'éducation des enfants, mais on s'en fiche, Marie, pourquoi tu nous parles de ça en ce qui a trait aux luttes féministes? C'est essentiel de bien saisir. Voyons davantage précisément ce sur quoi s'arrête. Salubrité de l'eau, boissons alcooliques, éducation, cabaret, éclairage des rues. Qu'ont en commun ces revendications? Qu'ont en commun ces enjeux-là? En fait, Marie-Gérin Lajoie nous indique les lieux où la sphère privée est profondément envahie par la sphère publique. Elle nous montre que séparer l'un et l'autre est impossible. Vous, les politiciens qui votez des lois, est-ce que vous savez que l'eau des robinets est empoisonnée, que nous ne pouvons pas faire boire nos enfants sous peine qu'ils attrapent la dysenterie? De la même manière, tant que vous maintenez la vente libre des boissons alcooliques, savez-vous que nos maris rentrent de l'usine des fois parfois parfaitement ivres, qu'ils peuvent même boire de l'alcool dans le tramway ou dans la rue, ce qui fait en sorte que nous, on est victimes de violences à la maison? De la même manière, l'éclairage des rues, savez-vous, messieurs les politiciens, que la nuit des rues sombres nous expose à tous les harcèlements et voire au viol, simplement pour aller chercher du lait à l'épicerie? En d'autres mots, Gérin Lajoie met le doigt sur un problème des deux sphères. Elle pointe bien que je veux bien jouer mon rôle d'ange du foyer, je veux bien pouvoir contribuer à l'épanouissement de mon époux et de mes enfants. Faut-il encore que la sphère publique m'en donne les moyens? Et sur ces enjeux-là, les femmes de la sphère privée veulent pouvoir s'adresser à la sphère publique. Elles ont une expertise. Son point de vue est très judicieux parce qu'elle met sous le nez des politiciens le fait que leur représentation binaire de la société entre la femme reléguée à la sphère privée et la sphère publique réservée aux hommes, en fait, cette dichotomie-là ne tient pas. Les femmes sont étriquées entre les deux et demande, en somme, de pouvoir exprimer un point de vue à propos aussi de ce qui se passe dans la société. La réaction, vous la connaissez, elle va venir surtout de certains catholiques, notamment Henri Bourassa, qui y va de cette citation absolument incroyable et outrecuidante, là, que vous avez peut-être déjà vue. À propos du vote des femmes en 1925, le directeur du journal Le Devoir s'y objecte absolument. Il propose « La femme électeur engendrera bientôt la femme cabaleur, la femme télégraphe, vous savez, celle qui va voter pour plusieurs, là. La femme sénateur, la femme avocat, enfin, pour tout dire, en un mot, la femme homme, ce monstre hybride et répugnant qui tuera la femme mère, la femme femme. » Bon, c'est sûr que ça demeure affreux, même de nos jours. Pourquoi dit-il ça? Il dit ça parce que Henri Bourassa, dans sa perspective catholique, a une femme idéale en tête. Et cette femme idéale, c'est la Vierge Marie, qui est l'ange du foyer par excellence, la mère de Jésus. Henri Bourassa a une profonde affection envers les femmes. Ça paraît pas, mais ce n'est loin d'être un misogyne. Il a cependant une vision profondément catholique et traditionnelle de la femme qui doit, en somme, d'abord et avant tout, être protégée. Protégée contre la corruption, protégée contre le travail et ne pas être souillée par la sphère publique. Amener les femmes à voter, c'est les amener dans la sphère publique, c'est les exposer à la corruption, aux vices et aux péchés. Parce que rappelons-le, les élections à ce moment-là sont une affaire violente, brutale, et Henri Bourassa le voit bien. Il souhaite en fait protéger la femme de ce milieu souillé.
La position du clergé est sans appel. Le clergé catholique du Québec va se déclarer contre le droit de vote des femmes, notamment par la voix du cardinal Villeneuve, que l'Église n'est pas favorable au suffrage politique féminin. Un, parce qu'il va à l'encontre de l'unité de la hiérarchie familiale. Encore une fois, pour l'Église, amener les femmes à voter, c'est rompre l'unité de la famille. L'unité de la famille étant assurée par une famille, un père, un vote. De la même manière, parce que son exercice expose la femme à toutes les passions et à toutes les aventures de l'électoralisme. On vient de le voir avec Henri Bourassa. Trois, parce qu'en fait, il nous apparaît que les femmes de la province ne le désirent pas. Ça, c'est tout à fait démagogique comme argument. L'Église se soucie tout à coup de démocratie. Cet argument-là, on peut le mettre de côté immédiatement. Quatre, parce que les réformes sociales, économiques et hygiéniques en guillemets, là, il fait référence aux demandes de Marie-Gérin Lajoie, deux paragraphes plus haut, là, que l'on avance pour préconiser le droit de suffrage chez les femmes, peuvent être aussi bien obtenues grâce à l'influence des organisations féminines en marge de la politique. Nous croyons exprimer ici le sentiment commun des évêques de la province. Que veut-il dire par les organisations féminines en marge de la politique? Comme si Villeneuve disait « N'allez pas voter, n'allez pas vous souiller dans la sphère publique. Il y a au contraire pour vous des organisations féminines en marge de la politique. » À quoi peut-il penser? Il pense bien sûr à toute cette pléiade d'organisations féminines et qui sont cependant profondément encadrées par l'Église. Avez-vous déjà entendu parler du Cercle des fermières? Avez-vous déjà entendu parler de l'AFEAS? C'est à ça que Villeneuve fait allusion. Il fait allusion à ce qu'on appelle à l'époque l'organisation paroissiale. L'organisation paroissiale, c'est un lieu particulièrement intense dans la vie des Canadiens français au début du 20e siècle, qui propose à l'ensemble des paroissiens diverses activités s'adressant à toutes les catégories de la population. On a ici un modèle, celui d'une paroisse dans la région de Québec, et ça montre qu'au milieu, vous avez les curés de la paroisse, et ça montre à quel point chaque paroissien, la paroisse Saint-François d'Assise, c'était à tout casser le 15 à 20 000 habitants. Là. Regardez l'innombrable pléiade d'activités, d'organisations, de comités qui étaient réservés aux paroissiens et organisés autour de l'Église. À Québec, il y avait par exemple les cercles Roquemadour pour les hommes, pour les femmes, les cercles Sainte-Jeanne d'Arc, les cercles Lacordaire pour ceux qui veulent arrêter de boire, les Jeannette et les Louveteaux pour les enfants et les guides et les scouts pour les tout-petits. Vous avez également des loisirs éducatifs, la bibliothèque paroissiale, vous avez l'œuvre juvénile pour les jeunes enfants, le cercle dramatique, il y avait même une troupe de théâtre catholique. Aujourd'hui, c'est la ligue d'improvisation du cégep, mais à l'époque, c'était des organisations organisées par l'Église qui organisaient notamment chaque année la Passion du Christ à Pâques, où un paroissien était volontaire pour jouer le rôle du Christ que l'on présentait crucifié sur une planche. Pensez, peut-être avez-vous déjà vu ça aussi, des crèches vivantes à l'Église à la veille de Noël, où de jeunes enfants étaient représentés là, afin de jouer le rôle de Jésus, Marie et Joseph sur la tribune de l'Église. Ces organisations-là sont innombrables. Vous en avez notamment pour le service religieux. Vous avez l'adoration diurne, l'adoration nocturne, la confrérie du Très-Saint-Sacrement, la société de tempérance et même la confrérie du Jésus-ouvrier pour les métiers manuels dans la paroisse. C'est vous dire comment l'Église tentait d'encadrer les croyants, et pour cette raison-là, justement, elle s'objectait au droit de vote des femmes. Elle s'objectait au droit de vote des femmes d'abord et avant tout parce que ça aurait soustrait la femme à l'influence directe de l'Église par le biais de ces organisations-là. C'est donc une raison d'abord politique qui mène l'Église à s'opposer au droit de vote des femmes, parce que l'Église et la famille répondent mal au travail des femmes. Et c'est ça que ripostent les féministes. Je veux bien m'inscrire dans les AFEAS, apprendre à tricoter et à faire des petits plats, mais l'Église ne me représente nullement dans le milieu du travail. L'Église ne défend nullement la position féminine dans la politique.
Par conséquent, l'Église ne fait plus son travail de protéger et d'assurer l'épanouissement des femmes. Il faut donc se tourner vers ailleurs, disent les féministes. Et le motto à l'époque, le mot d'ordre, c'est « il faut se tourner désormais vers la politique ». Et pour se tourner vers la politique, il nous faut des droits civiques, mais d'abord et aussi, avant tout, le droit de vote. Le droit de vote, se faire entendre dans la sphère publique et au gouvernement. C'est d'abord et avant tout au nom de cette revendication-là que les femmes veulent voter. Pas simplement parce que voter est un droit inaliénable et absolu. Donc, les revendications féminines doivent être comprises à l'intérieur d'une lutte qui les dépasse, plus vaste, qui embrasse toute la société québécoise à l'époque, c'est-à-dire une véritable rivalité entre l'Église catholique et l'État québécois. Qui doit parler au nom du peuple? Qui doit parler au nom de la population? Qui doit notamment parler au nom des femmes? Cette relation privilégiée et très précieuse pour l'Église lui permettait de jouer un rôle effectif dans chaque famille de croyants. Cette relation-là, elle est mise en péril par le droit de vote des femmes. Si les femmes se tournent vers la politique pour obtenir gain de cause et obtenir des droits, c'est désormais aux dépens de leur influence au sein de l'Église. On assiste donc à une lutte plus grande qui dépasse la lutte féminine et mais dont elle demeure un enjeu essentiel. Qui au Québec, depuis par exemple l'acte d'union, doit pouvoir parler au nom du peuple québécois? Sont-ce l'Église catholique, les curés qui ont sauvé, disent-ils, la langue, la culture, l'identité québécoise en préservant l'identité française au Québec? Ou est-ce l'État québécois, l'État laïque, politique, qui met en branle des travaux publics, qui vote les lois concernant la vie quotidienne des gens? Historiquement, l'Église du Québec a contrôlé la culture, l'éducation, elle diffuse des journaux, elle publie des manuels scolaires, elle entretient la vie communautaire par ses associations, elle s'occupe aussi de santé, gérant la plupart des hôpitaux au Québec. Elle s'occupe également d'aide sociale, la Société Saint-Vincent-de-Paul, par exemple, ou l'Ouvroir du pauvre, la Goutte de lait, autant d'associations contrôlées par l'Église qui visent à secourir les pauvres. Elle s'occupe notamment des femmes avec qui elle a une relation particulière et de manière générale encadre ce peuple qui est dit catholique d'abord et avant tout. Ce à quoi on va assister au début du 20e siècle, c'est à la perte progressive d'influence de l'Église catholique dans la vie quotidienne des gens. Progressivement, par exemple, notamment en 1960 avec la Révolution tranquille, la culture va quitter le monde de l'Église pour devenir une prérogative de l'État. L'éducation, notamment avec la création du ministère de l'Éducation. La santé, avec la laïcisation du réseau de santé, l'universalité des soins de santé et le désengagement de l'Église dans ce domaine-là. L'aide sociale, par exemple, va complètement quitter les sphères de religieuses pour devenir une affaire d'État. Et en 1940, par le vote des femmes, l'Église perd son contrôle de la vie féminine, tandis que les femmes se tournent davantage vers l'État pour faire entendre leurs revendications. Désormais, ce peuple qui était dit catholique va plutôt décider de se muer en peuple québécois. Il va changer littéralement d'identité, comme il va changer de peau, pourrions-nous dire, de son identité profondément catholique, construit autour de l'Église, il va désormais construire son identité autour d'un État québécois, va donc tout naturellement devenir un peuple d'abord et avant tout québécois. Le 20e siècle fut clairement au Québec le siècle des femmes, tant se succèdent les luttes pour la conquête des droits et la justice sociale à travers 10 grands enjeux historiques qu'elles vont mener tour à tour. Le premier acquis est certainement le domaine de l'instruction et notamment de la part de la communauté anglophone, en particulier l'Université McGill, qui est la première à ouvrir ses facultés aux femmes. Vont ensuite se multiplier les collèges du côté catholique destinés aux filles. Le premier, le collège Marguerite Bourgeois. D'ailleurs, une diplômée de Marguerite Bourgeois, Marie Gérin-Lajoie, va être la première femme à obtenir un baccalauréat en 1911. Et ce qui est ironique, c'était qu'elle avait eu la meilleure note à l'examen final de tout le Québec, tous sexes confondus. C'est vous dire l'entrée tonitruante que les femmes font alors dans l'éducation. On ouvre ensuite plusieurs collèges destinés aux filles, mais c'est surtout en 1964, avec la création du ministère de l'Éducation, qui se donne pour but avoué d'accroître l'accessibilité aux filles, que véritablement les femmes vont pouvoir occuper une place équivalente aux hommes dans le domaine de l'éducation. Au niveau du travail, c'est également précoce, du seul fait que la révolution industrielle avait grand besoin des femmes. Les femmes sont d'ailleurs les premières à mener de grandes grèves, notamment à l'usine d'allumettes Eddy à Hull, où elles vivaient des conditions de travail épouvantables.
Elles se battent pour un meilleur salaire, pour de meilleures conditions de travail. Elles se battent aussi pour le salaire équivalent aux hommes. Elles vont mener plusieurs grèves, notamment dans l'industrie du vêtement. Et ce n'est finalement qu'en 1979 qu'elles obtiennent les congés de maternité de 18 semaines. Et surtout en 1996, une grande loi québécoise, la loi sur l'équité salariale, que bon nombre de femmes dans le monde envient encore aux Québécoises. On va ensuite se battre pour le droit d'être reconnu dans les corporations de métiers, en particulier dans les facultés. On va assister à la professionnalisation du métier d'infirmière, qui est co reconnu comme un ordre professionnel. On va ensuite créer les premières facultés où les femmes sont admises, en particulier la faculté de droit, permettant ensuite aux femmes de devenir membres du barreau en 1941 et même de devenir juge à la Cour suprême du Canada en 1987. Ça va être également le cas dans les métiers médicaux, où on va admettre les femmes en faculté de médecine, permettant en 1923 à Irma Levasseur de devenir la toute première femme reconnue à la pratique médicale au Québec. Noté en 1999, un programme destiné de sages-femmes au Québec qui permettait enfin de reconnaître l'expertise des femmes en matière d'obstétrique et de gynécologie. Il va falloir attendre beaucoup plus longtemps, en revanche, pour que les femmes obtiennent des droits juridiques. En 1929, la Commission d'Orion déboutait les femmes, c'est-à-dire qu'elle refusait de reconnaître les droits égaux aux hommes en matière de droit et de justice. Ce n'est que progressivement qu'elles vont obtenir le droit de conserver leur salaire sans l'obligation de leur remettre à leur époux, qu'elles obtiennent des droits d'une capacité juridique en tant qu'épouse, comme même lorsqu'elles sont mariées en 1964, et qu'elles peuvent demander le divorce en 1968. En fait, il va falloir attendre progressivement pour que les femmes puissent aussi obtenir le droit de partager le patrimoine familial lors d'un divorce, qu'elles puissent participer à un procès à titre de jury. Il va falloir ensuite qu'on attende 1981 avant qu'elles puissent obtenir le droit d'entrer dans une taverne, qu'elles puissent déclarer, qu'elles puissent poursuivre leur époux pour agression sexuelle, et enfin qu'elles puissent percevoir automatiquement les pensions alimentaires dans le cas de séparation ou de divorce. Les organisations féminines vont également s'organiser très tôt, notamment d'abord autour de la question du droit de vote. C'est la vocation que se donne la Fondation nationale Saint-Jean-Baptiste. Puis ensuite, on va créer les premières associations pour les femmes rurales, notamment le Cercle des fermières en 1915 et la FEAS en 1966. D'autres luttes visent à ce que les femmes puissent obtenir des droits égaux, notamment le Conseil du statut de la femme en 1973 et le Secrétariat à la condition féminine en 1978. Le droit à la dignité, c'est-à-dire littéralement se battre pour les droits essentiels, c'est-à-dire pour la décence et un revenu minimal, va être mené notamment autour des premières lois sur l'assistance publique en 1921, la loi sur l'assistance des mères nécessiteuses en 1937, qui malgré son nom visait littéralement à verser des pensions alimentaires aux femmes abandonnées par leur époux. De la même manière, les chèques d'allocation familiale sont désormais adressés aux mères en 1945. Avant ça, ils étaient auparavant adressés aux pères. Ça paraît un détail, mais ça a son importance. Les femmes peuvent pleinement accéder à l'aide sociale, même dans le cadre d'une famille en 1969. Elles peuvent enfin conserver leur nom et le passé, leur nom de famille et le léguer à leurs enfants en 1981. Et finalement, elles obtiennent. Ils peuvent enfin conserver leur nom et le léguer à leurs enfants en 1981. Et les femmes mariées peuvent enfin conserver leur nom de famille et le léguer à leurs enfants en 1981. Au niveau du pouvoir, bien sûr, l'accès aux fonctions politiques, ça va être un peu plus long. En 1930, une première femme est nommée au Sénat à Ottawa. En 1961, 20 ans après l'obtention du droit de vote par les femmes, une femme est enfin élue à l'Assemblée législative ou l'Assemblée nationale du Québec, Claire Kirkland-Casgrain. En 1976, le Parti québécois frappe un grand coup en élisant d'un coup quatre femmes députées à l'Assemblée nationale. L'une d'elles, Lise Payette, devient la première titulaire du ministère de l'État à la condition féminine en 1979. Ensuite, on va assister à l'apparition de femmes comme gouverneur général du Canada, Jeanne Sauvé en 1984, et enfin, en 2012,
Caroline Marois est élue première femme premier ministre du Québec. Le droit de choisir, c'est-à-dire le droit notamment de disposer de son corps à sa guise, va être une lutte finalement assez laborieuse et obtenue de hautes luttes. Il faut attendre 1960 pour que la pilule anticonceptionnelle ou la pilule contraceptive soit admise au Canada, puis ça va être la longue lutte pour le droit à l'avortement, notamment menée par le docteur Henry Morgan Taylor. Finalement, c'est en 1967 que, on décriminalise la contraception et l'homosexualité, qu'on va assister ensuite à plusieurs gains, notamment en matière d'avortement. Plusieurs causes sont portées devant la Cour suprême du Canada. Il va falloir attendre finalement que 1998 pour que Québec reconnaisse la pratique des sages-femmes à titre de pratique médicale remboursable par la RAMQ. Et finalement, 2007 pour que soient reconnus les droits humains des personnes LGBT. En matière de droit de vote, c'est une lutte évidemment bien connue qui a été menée de haute lutte, un enjeu central qui est d'abord mené au Canada anglais par des féministes anglophones autour du Toronto Women Suffrage Association. Vous avez ensuite le Montreal Locals Council of Women. Bien sûr, ça va être ensuite l'obtention du droit de vote au niveau des élections fédérales en 1918. Puis la longue lutte s'engage au niveau provincial. Ça va être le travail de Thérèse Casgrain, de Idola Saint-Jean notamment, qui finalement obtiennent le droit de vote pour les femmes propriétaires lors des élections municipales en 1932 et enfin le droit de vote lors des élections provinciales québécoises en 1940.